Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Un chanteur à voix. Et oui, il faut le dire, Fabrice Di Falco, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, c'est un peu matinal, mais ça va. Ah oui, c'est un peu matinal. On est lundi 8h avec les auditeurs, tranquillou quoi. Hein ? Complètement, bonne semaine. Exactement. Bon, pas... Et ouais, alors Fabrice Di Falco, c'est la première fois qu'on reçoit un chanteur lyrique dans cette émission. Vous êtes également prof de chant. Vous avez même une méthode très étrange de travailler votre voix, puisque vous vous inspirez des miaou, des chats. Exact. Oui, c'est vrai, oui. Et à l'époque, vous en parliez sur le plateau de Jean-Luc Delarue sur France 2. Fabrice Di Falco, vous avez une façon particulière de travailler. Vous faites des miaou, un peu comme Michel Elias le faisait tout à l'heure dans le reportage. Oui, c'est-à-dire que je suis en même temps prof de chant et j'ai eu un prof, Liliane Mazeron, qui m'a expliqué pour trouver le timbre. Tout de suite, comme disaient d'autres personnes ici, de travailler sur les i et les e. Et j'ai remarqué un jour avec les chats qu'ils faisaient miau, miau, mi, mi, mi. Et en écoutant bien aussi les enfants qui pleuraient, j'ai vu qu'il y avait des harmoniques très aiguës et aussi bien pour les enfants et pour les chats. Est-ce qu'on peut avoir une démo alors Une démo de chat. Alors c'est une émission qui a été enregistrée il y a déjà quasi 15 ans. Ouais. Alors je me suis devenu un, c'était un jeune chat, maintenant je suis un vieux chat. C'est un bulldog, ça y est. C'est une star, bien. Alors t'es capable de Alors en fait, c'est vrai que si vous. Mais tout le monde peut être chanteur en fait. Ouais. Vraiment. Tout le monde peut être chanteur. Il suffit simplement de positionner ses deux rangées de dents collées, de faire un sourire assez narquois et de penser à un i, un a, un ou, ce qui donne le miaou du chat et ça donne. C'est un chat qui donne l'alerte. C'est un chat qui quoi ? Qui donne l'alerte. Alors pour les voix graves, c'est pareil. Hein. C'est miaou, miaou. Ah, ouais. Encore plus d'alerte. Le miaou, en fait, il y a i, a et ou. D'accord. Et dans notre métier, dans tous les métiers de chanteur, on utilise quand même pas mal ces voyelles, etc. Voyelles. Donc ça place pas mal la voix. D'accord. Voilà. Et Nicolas qui a perdu son oreille droite. Le miaou a été fatal. Qui a dit « Si j'étais lesbienne, je voudrais sortir avec Rihanna » ?» Qui a dit cette phrase ? Beyoncé. Non. Anastasia. Ah oui. Elle revient. Mais elle est américaine. Elle est australienne. Elle est australienne. Elle fait partie du club de Tina. Non, non, elle est américaine. D'accord. Ouais. C'est Anastasia, c'est celle avec, qui avait des super lunettes là. Ouais. 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 Ah, bah, non, c'est ça. To be free, to be free, so we. And the best of direct, and my life again.